Prosimy pani Melior, następny mówca Gilles Pargneau. Merci monsieur le président, monsieur le commissaire. Je connais votre probité. Je connais votre expertise. Je connais votre volonté, car nous travaillons ensemble, de protéger la santé des Européennes et des Européens. Or là, dans ce dossier, il y a urgence. Il y a urgence que vous preniez une initiative protectrice, là, dans les mois à venir, avant l'automne prochain, pour contrer, tout d'abord, l'inquiétude grandissante des Européens devant les révélations récentes concernant ce perturbateur endocrinien préjudiciable à leur bonne santé et espérance de vie. Il y a aussi urgence sur les inquiétudes qui se développent liées au manque de transparence. L'avis de l'EFSA aurait été fondé sur des études sponsorisées par l'industrie agrochimique. L'identité des 73 experts nationaux ayant participé à cette évaluation reste inconnue. Donc avant que les États membres prennent leurs décisions à l'automne, j'espère que le nouveau ministre français Nicolas Hulot sera en adéquation avec ce qu'il disait le 20 avril dans le cadre de la Fondation Nicolas Hulot. Oui, il faut prendre ses responsabilités et protéger la santé des Européennes et des Européens en interdisant ce renouvellement du glyphosate compte tenu de l'inquiétude grandissante qui le développe. Bardzo dziękuję, panie Pargneau. Tibor Szanej, bardzo proszę. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Magam is egyetértek azzal, hogy az uniós állampolgárok egészségét maximális mértékben szem előtt kell tartanunk. Éppen ezért örülök, hogy itt a parlamentben is napirend